Oui. Souris, souris. C'est bon que ça, mais comment on va faire? C'est en trop ça. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Le stylo n'a pas de tapis là. On peut faire ça. Tu sais, on le fera un peu long. Ça, on le retravaille pas. Oui, on va le retravailler, ça. Tu sais que la pâte, elle est restée molle, là. Non, mais on va la retravailler, quand même. Allez. Deux, quatre, six, huit, dix, douze ans. On la mettra en forme après. Non, elle va. Tu vas voir qu'elle va gonfler. Ouais. Ouais. Travailler. Parce qu'elle a de combien de terre. Mais elle ne fait pas plus long. Hein. Bon. T'as mis le pec, citron noir. Il est trop chaud. Ah ouais. Ah oui, c'est flagrant. C'est flagrant. Sinon, on fait un petit monticule quand même. Maintenant, tu vas dire à Jean-Luc que le four est trop chaud. J'ai dit, il est peut-être trop chaud. Signez-vous devant le défunt. Du coup, ça brûle le coup, là. C'est un agneau Dieu. Faut qu'on y les propres. Comme il est beau, là le pain il va être magnifique. Oui, mais là il est chaud. Il est chaud, hein. Il est pas mal d'or parce que là. Là il est chaud. T'es sûr? Ah oui, là, il est déjà. Il est chaud. Oui, c'est chaud. Moi je me rappelle avec ce fleuri, on est chercher du carrelage avec votre mari. Et on arrive à l'emballer la porte. Tout le carrelage plouf. Tout était parti. Bah alors, ça devait être en 89.
parfois avec Pierre, parfois seul. Parfois avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui. Ouais, chercher des galets. Plus malléable. Un jury. Au col de... Est-ce qu'il avait raison? Voilà, c'est la question que j'avais posée. Alors, je vais vous dire, c'était pour faire la marche folle. Hein. Ah. J'ai vu la photo. Ah oui, attendez. Elle a tenu la tempête. Hein. Oui, oui, oui. Par deux. Du bon travail. Même par trois. On a bu des trucs un peu bizarres. Ouais. Et je veux dire à Jean-Luc, la croix, elle y est toujours. Hein. Et j'ai vu la photo. Hein. Ben non, parce que... C'est du pain au noix. Noix et raisin. Ah oui, ouais. Et lui, il y en a. C'est bon aussi, hein. Bon, mais c'est plus long parce que c'est... Oui, oui, c'est... Ils sont pas en croche. Parce qu'on les a pas fait. Elle les a pas fait plus épaisses que moi, mais sauf que on les a laissées moins longtemps. Non mais elle est plus du Il y a quelques jours, elle fait toujours comme ça, c'est ça que je sais pas pourquoi. Elle nous a pas dit comment. Je sais. Mais c'est plus souple. Alors maintenant, ouais. Mais toi, tu le présentes mal, c'est normal. Demande à Jean-Luc. De quoi? Que j'allais manger dans l'école, elle m'a dit, ouais, ça manque un peu de quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'on pas aller fort. Hein. Allez voir. Elle a moins de poivre qu'hier. Il y a moins de poivre, encore moins de poivre qu'hier. Hier, c'est relevé. Marie, hier soir, elle a mangé, elle a tout le poivre. Pas tellement, elle me dit, hey, il manque de poivre. Oui, non, mais frère, il va tout dire, il était traité plus vite. J'ai bien aimé, même avec les raisins. Bon, moi, j'ai fait ça. Non, celle-là, c'est Patricia. Celle que j'ai fait moi, et on les a mangées hier soir. Oui, oui. Au raisin, elles sont. Oui, oui. Déjà, elles sont très belles. On en a une. Elle était vraiment particulière. Je les ai commandées sur internet. Ça m'a beaucoup plus d'olive. Elles ont toutes donné au moins deux courges par pied, deux ou trois courges par pied. Mais regarde, regarde bien dans la recette. Regarde le truc intérieur. Que Michel, elle va en mettre dans les sacs d'abord. Tu as des sacs ? Elle va en mettre. Elle les a, je crois. Ça, ils sont bien. C'est parti. 12 et 14. Jean-Luc, il va faire du basket. 17. Allez, le 21. Et 20. Je vais lui montrer. Elle est là. Pourquoi on n'oublie pas de prendre la douche parce que les cheveux ils vont. Manque de panier, pas contre, hein. Avec quatre. Michel va en mettre dans les sacs là-bas.
Elle va en mettre 5.